Et salut tout le monde, et bienvenue dans un tout nouveau Let's Play. Bien sûr, on continue la série des Uncharted, hein, donc je suis toujours sur ma collection remasterisée des 3 jeux PS3, puisque cette fois nous allons nous attaquer au troisième opus de la série. Voilà, Uncharted 3, l'illusion de Drake. Et c'est parti, on le sélectionne. Donc nous continuons la série après notre victoire sur Lazarevitch la dernière fois. Voilà, donc Uncharted 3, l'illusion de Drake, originellement développé par Naughty Dog, sorti en 2011. Voilà. Puis ensuite ressorti en 2015 sur cette compilation remasterisée, développée par Bluepoint Games. Voilà. Alors oui, la musique du menu est toujours la même que le premier Uncharted, franchement. Là-dessus, sur les menus, aucune variation. Oh, sur les écrans titres, en tout cas, aucune variation, quoi. Toujours la même musique, quoi. Donc, nous allons bien sûr démarrer une nouvelle partie. Hein. Ah oui, il y a un contre-la-montre, c'est vrai. Dans le 3 et dans le 3ème, il y a un contre-la-montre. C'est-à-dire, c'est un mode speedrun intégré au jeu. C'est-à-dire que t'as un timer. Enfin, voilà, quoi. Voilà, le mode speedrun intégré au jeu, quoi. Donc, on va faire la campagne. Voilà. Bah on va rester sur ce niveau de difficulté là, la difficulté normale, puisque... Ah j'allais dire, ça avait du mal à se sélectionner. Bah oui, nouvelle donnée de jeu, espèce de crétin. Bon évidemment la cinématique va démarrer, je vais vous la laisser. Comme d'hab. Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leur rêve et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Mec. Oh, t'es un marrant. Quel accueil chaleureux. Disons rien. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudent. Vous devez être Talbot. Monsieur Sullivan et Monsieur Drake. Exact. Vous l'avez. Et vous, vous avez l'argent. Cutter. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Bien sûr. De l'argent, 16e siècle, style élisabétain, et gravé de la devise de Sir Francis Drake. Bien. Elle m'a l'air authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. C'est des faux. Je vous assure, monsieur Drake. Oh, mais t'as raison. Aussi faux que des pièces en chocolat. Dites donc, vous êtes en train de nous faire marcher.
Je vous retourne la question. C'est grotesque. On annule tout. Et vous, vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Viens, Nate, fichons le camp d'ici. Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague, prenez la valise et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous le pouvez. Fais ce qu'il te dit, fiston. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Allez. Bon, bah magnifique introduction au jeu, hein. Mais quoi que je vous dise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Celui-là est pour moi. Oui, oui, merci le tuto. Merci le tuto qui casse l'action, mais à fond, quoi. Oups. Je dis ça, mais quand le jeu me laisse faire, je fais de la merde. Hop. Au fait, juste une question. Victor, il n'était pas censé avoir pris sa retraite. Allez, c'est pas le temps de souffler. Ok, mon pote, t'es un homme mort. Alors, en fait, c'est à moitié je fais les combats au corps à corps, à moitié le jeu contrôle tout seul. En fait, là, je dirais que c'est hyper linéaire là comme phase. Tiens, prends ça. Au fait, une table de billard comme table de négociation, je suis pas sûr que ce soit le plus évident. Bien, on se barre d'ici. Ah ouais, on se barre. On se barre par où? Ouais. Bah, je dirais par la porte, hein. De toute façon, il n'y en a qu'une de porte alors. Ouais, mais laisse-moi passer! Bah, quoi? Bonjour, mon gaillard. Jeune chat! Frappe-le vite! Non, mauvaise idée, grand-père. Et c'est moi qui te vais appuyer. Ouille, j'ai mal pour lui. Tuez-le! Et t'as renversé mon verre! Lol. Et c'est seulement le commencement du chapitre 1. Putain, mais le barman, on dirait Philippe Etchebest. Au prochain ennemi proche, appuyez sur 2 tout en rentrant. Appuyez sur frappe. Allez, c'est ma tournée. Ouais, c'est ma tournée. Alors on dirait qu'ils ont rajouté des commandes de combat au corps à corps, mais. Est-ce que vous êtes au courant que j'aime pas trop le combat au corps à corps? Ah tiens, revoilà Victor. Ouais, à chaque fois je dis Sullivan, mais son prénom c'est censé être Victor. Tiens. Bon Victor, qu'est-ce que tu fous là? En même temps les mecs, vous êtes dans un bar mal famé des quartiers, des bas quartiers de Londres, vous attendiez à quoi? Oui, parce que quand vous l'auriez pas vu, on est censé être à Londres. Oh, allez, je te laisse bosser. Wow. Ça a dégénéré en 2 secondes. Bon, mais pourquoi tu me montres ça? Mets-toi du bon côté. Ah, merci. Fais-le. Viens là! Non. Une seconde, mon pote. Je reviens vite. Bon, allez, on y va, on fait les commandes. Hein. Parce qu'on est con, hein, on sait que suivre des QTE. Hein. Et encore, quand ça veut bien. Ok, on y retourne. Même retourner, essayer de taper, c'est moi qui dois le faire. Hein. C'est pas une cinématique, hein. C'est épuisant. Faut que j'esquive. Voilà.
Attention, il est pas content. Mais j'ai appuyé. Oh, ça m'a fait peur. Oh, ça a dû faire mal. Même à lui. Ça va là-dedans? Laissez. Mon ego, les. Il va leur falloir une ventouse. Allez, roule-toi, Nate. Là. Moi, je te suis. Par derrière. Bah, j'essaye de suivre. Chopez-les! Le vieux croulant est à moi. Putain, ça va durer longtemps. Et l'autre qui vient en marchant, tranquille. T'es prêt, gamin? Ouais. Allez. Bon, d'accord, on va passer par l'autre côté. Oups. Oh merde. Oh bordel. Approche, approche. Typiquement ricain, que de la gueule. Hey. Oh, il a son compte. Un vrai mec. Non, reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort ou pas? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieuse amie. Je récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça! Cutter! Oh non, pas ça! Ta gueule! Non! Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que deux pauvres branleurs. Quoi? Alors, est-ce que vous y croyez qu'on s'est... Est-ce que vous y croyez que Nate s'est fait descendre? Est-ce que vous y croyez? Alors, du coup, ben, je sais pas, il doit rêver ou une connerie comme ça, parce qu'on se retrouve, avec, avec Drake, 20 ans plus jeune. Ouais, merci, les pages. Ouais, c'est les aventures de Francis Drake, le fameux. Alors, on va remballer ça. Alors j'aime bien, il me dit d'aller dedans, je vais dedans, je sors, il me dit qu'il faut encore aller dedans. Ouais, de l'équipement de... Bon, on va pas tout regarder, sinon on en a pour 10 ans. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le touriste. Mais c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est des œuvres. Non, c'est pas ça non plus.
regardez la nana. Wouh. 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 C'est pire qu'au tennis. Attends, je mets la caméra. Imagine la partie de tennis en hors champ. Désolé, c'était trop tentant. Bon, où est-ce que je vais? Peut-être à l'étage. Allez, vas-y. Excusez-moi, mais franchement... La tête de la nana, mais elle est vraiment... Elle s'est vraiment vissée sur un piqué, quoi. Oh, un gardien. Alors, par contre, le gardien, lui, c'est... Ah, bah si, il me regarde, j'ai rien dit. Enfin, il me regarde. Mais regardez. Non, mais excusez-moi. Non, mais il faut que je m'inquiète. Hein, là. Je savais pas que j'étais une œuvre d'art, moi tout seul. Hein. Attends, le voilà. Regardez-moi ça, ils me regardent tous quand j'arrive. Voilà quoi. Ah. Callejera. Suéltame. Esta clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Pendejo. Le voilà. Bon, d'accord, mais j'ai fait quoi exactement, monsieur l'agent? Bon, alors nous devons suivre... Il est où, d'ailleurs? J'allais dire, nous devons suivre cet inconnu que je pense que vous avez tous reconnu. Il faut que je le rattrape. Mais il est parti par où? Ah, là-bas. C'est lui, hein, là. Alors, j'imagine qu'il faut quand même que je fasse en sorte qu'il me voit pas trop, quoi. Ah, il est là. Je sais pas. Je sais pas si ça a une importance. Alors on va dire qu'on va le suivre de pas trop près, quoi. Mais... Ah ouais, je peux rien faire, quoi. Ah ouais, je peux rien faire, quoi. Aucune des touches actions ne marche. C'est-à-dire frapper, le saut, rien ne fonctionne. Évidemment, bah je peux pas viser, j'ai pas de flingue. Donc en fait, je peux juste me déplacer. Lol. D'accord, il fallait que j'avance à côté de la voiture pour qu'il déclenche la suite. Ok. Appuyez sur rond lorsque vous êtes proche d'un objet. Voilà. Putain, je devais me mettre sur le côté, sinon ça avançait plus. Là, j'aurais pu attendre longtemps. Hein. Allez, merci. Hop, voilà. Et la discrétion, c'est pas ton fort. Hein. Hop, alors je vais attendre qu'il s'éloigne un peu. Et j'aime bien t'as les mecs debout à côté, ils se demandent pas du tout pourquoi il y a un mec qui se balade accroupi à 2 mètres 2, quoi. Comme si de rien n'était.
Ouais, il était pourri. Ouais, voilà, la discrétion, c'est vraiment pas ton fort. Mais il est où Ouais, il est là-bas. Il est là-bas, notre inconnu. Bon, là, je peux y aller en marchant. Bonjour. J'imagine que si je m'amusais à parcourir dans des coins, je pourrais peut-être trouver des trésors cachés, ça tombe. Bah oui, parce que les trésors cachés sont toujours existants hein, dans ce jeu, y'a pas de raison. Mais t'inquiète, je regarde juste un peu le décor. Par contre, l'ennui, c'est qu'on marche vraiment tout doucement. Bon, là, on va avancer, sinon l'histoire, elle avancera jamais. Il est où? Ah, il est là-bas. Je le confondais avec celui debout à droite, là. Il va où, comme ça? Mais où va-t-il? Oh, mais où va-t-il? De toute façon, je sais d'avance que les trésors cachés, je trouverai jamais tous les trésors cachés du jeu. Alors, il est rentré là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors, allons nous cacher ici. Ok. Ah oh bah d'accord, il y a carrément une sorte de mur invisible. C'est-à-dire c'est pas vraiment un mur invisible, mais dès que vous allez un petit peu par là, le jeu tout seul il vous retourne. C'est pas moi qui me retourne, c'est le jeu qui me renvoie en arrière. Bon, qui sait dire l'espagnol ? Fermé. Je dois trouver un autre moyen de monter. Non mais tu es con. Il vient carrément de me donner la solution. Oh, la porte est fermée, je dois trouver un autre moyen de monter. Bah votre avis, il faut faire quoi ? Eh ben montez. Non, la bonne phrase c'était un autre moyen d'entrer, espèce de nouille. Ah, bon, il me semblait qu'on devait le voir passer sur l'escalier. Remarque, c'est peut-être parce que j'ai attendu trop longtemps, parce que d'habitude, enfin je veux dire, la dernière fois que j'ai fait ce jeu, étant donné que j'y suis allé direct, je veux dire, j'étais pas là à vous expliquer ce qu'il fallait faire, donc... Alors je sais pas trop si je joue. On va aller en haut, puisqu'on parlait de monter. Eh bien montons. Ah, je peux pas faire ça. En fait, je songeais à me hisser sur le rebord en vrai. C'est-à-dire pas sauter quoi. Mais là je dois faire quoi? Bah visiblement ça marche pas. Bon, on va aller à gauche alors. Alors on va aller à gauche. Mais je t'ai pas dit de descendre, je t'ai dit d'aller à gauche. Bon, en même temps je dis ah si, il y a une barre en haut. Et ensuite, est-ce que je peux faire ça? Ah oui, je peux faire ça ensuite. Mais c'est complètement con. Qu'est-ce qui empêchait de se hisser sur le rebord et s'accrocher aux barres directement? Sans vouloir te brusquer, tu pourrais activer. C'est que y a une dame qui m'attend. C'est ce que c'est. Ah, c'est lui qui parle. Je croyais que c'était nous. Enfin, je croyais que c'était Nathan qui parlait. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Il travaille avec un poste, soit un poste à soudure ou une connerie du genre. Bah, je peux pas aller à droite? A qui lo tiene? Voilà notre bon. Gracias. Adios, amigo. Ok, je veux ce portefeuille. D'accord. Merde. Je peux pas descendre. Donc en fait, là. Il était en train de faire un double de clé, sûrement une clé qui permettra d'ouvrir la vitrine. Oh, oh, attention. Putain, j'aime bien le bruit du tuyau qui se casse la gueule n'interpelle personne, quoi. Ouais, c'est une manière originale de le suivre. Ah, un trésor caché. Kikiki. Une tête de jaguar chamanique. Je sais pas ce que c'est. Je dois aller où après? Alors, je vois sur le panneau, à mon avis, vu qu'il y a une barre jaune. Et oui, n'oubliez pas les fameuses barres jaunes qui vous indiquent... Il coupe par ce bâtiment. Je le verrai sûrement depuis le toit. Oui, après.
Alors j'imagine qu'il faut que j'essaie de sauter en face. Je vois l'idée. Attends, je peux descendre d'un... Non, je peux pas descendre d'un cran. Ah là, je peux monter par contre. Alors que tout à l'heure, ça marchait pas. Allez, allons-y. Là, en fait, là, tous ces buissons sont là juste pour m'empêcher de passer, en fait. Qui est ton ami? Ah bah dis donc. Ouais mais nous on a très bien compris que c'était. On a très bien compris qui c'était. Si vous avez un petit peu suivi. Quoi? Est-ce que je m'accroche au panneau? Ah ouais. J'aurais jamais cru. Parce qu'évidemment, si je m'étais lâché directement, je serais sûrement mordu à la chute. Donc oui, en fait, on peut bien trouver des... Ah oui, en fait, c'est quand je suis mêlé aux habitants que d'un seul coup, je peux plus marcher aussi vite. Alors normalement, ils sont allés par là, si j'ai bien vu. Parce que oui, hein, au cas où vous l'auriez... pas encore deviné, là, le but, c'est de récupérer le portefeuille. De notre mystérieux inconnu. Bah alors on s'en fout. De toute façon c'est derrière, alors on continue devant. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Faut que je trouve un moyen de choper ce portail. Bonjour les gens. Comment vous allez? Ok, il est là, dans sa poche. Allez, c'est le moment. C'est le moment? C'est pas un peu risqué que je fasse une approche? On dirait qu'on a du temps à tuer. Si vous voulez, on peut passer quelques heures ici. Mince. Suelta mes viros! Redis-moi ça un peu. Lâchez-moi. Ah, j'en étais sûr. N'essaie pas de t'enfuir. T'es loin de chez toi, petit? M'appelez pas comme ça. Tes parents doivent être morts d'inquiétude. Non, aucun risque. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Je l'y doigtais tout à l'heure. T'es un bon? Je vois pas de quoi vous parler, vieillard. Hé, m'appelle pas comme ça. Et ta technique est loin d'être parfaite, t'es beaucoup trop prévisible. Vous êtes taré. Taré? Tu me suivais depuis un bon moment. Tu m'as sûrement pris pour une cible facile. Mais tu t'es fourré le doigt dans l'œil, gamin. Hé, hé! Quoi? Mon portefeuille. Ok. Alors tu m'obliges à appeler la police. Allez-y. Enfin, ils se demanderont pourquoi un vieux touriste a suivi un jeune garçon dans les ruelles. Dis donc, t'es un sacré petit malin, toi. Disons que j'ai besoin de personne. Et en plus, je suis prêt à parier que vous aimez pas plus les flics que moi. Bien vu. Et... Portefeuille. Fallait que j'essaie. J'en doute pas. On va voir si je suis si prévisible. Ok. Le musée est fermé. Bah oui, il a récupéré la clé-clé, la petite clé-clé qui était dans le portefeuille. Enfin, un portefeuille, drôle d'endroit pour ranger une clé, enfin. Tu pouvais pas mettre ça sur un porte-clé comme tout le monde? Bref. Donc, bah du coup, écoutez, là, vu que le sab se présente, le troisième chapitre du jeu, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on est on a une bonne demi-heure de jeu. Donc ça sera une bonne petite mise en bouche. Donc la prochaine fois évidemment, bah, on va retourner dans le musée pour essayer la clé. Voilà. Bref.
Donc, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Donc, bah, j'espère que ce nouvel opus des Uncharted vous plaira tout autant que les deux premiers. J'espère que j'aurai moins de problèmes quand même. Moins de bugs bizarres. voilà. Parce que dans le 2, on a été servi. Voilà. Bref, bref. Donc, bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Pardon. Je vous dis ciao et à la prochaine.